part, continue comme ça. L'usure du système MGUH devient préoccupant. Si le moteur surchauffe, le problème va empirer, alors il vaut mieux rouler à bas régime. Le DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Tu es dans les 10 premiers, continue comme ça. Voici l'écart avec notre coéquipier. 5,0 secondes.
carburant est impeccable, tu gères bien. Impeccable, très belle manœuvre. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial ? L'écart avec la voiture qui te précède est de 3,9 secondes. Creuse l'écart de quelques secondes par tour avec la voiture de derrière, ne lâche rien. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. Notre retard sur la voiture de devant est de 2,9 secondes.
une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change ? Bottas mène la course. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. L'écart avec notre coéquipier est de 17,8 secondes. Sors maintenant, tu reprends la piste dès la sortie des stands. Fonce, fonce! C'est notre dernier arrêt, plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui. Rentre au stand. Mick est au stand. Travail, tu l'as doublé dans les règles de l'art.
creuse l'écart d'environ une seconde par tour avec la voiture de derrière. Surveille tes pneus, surveille tes pneus. Réfléchis à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial ? Il nous reste à peu près 5 tours de carburant. Voici l'écart avec notre coéquipier, 27,3 secondes.
dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Nous avons à peu près deux tours de carburant. Réfléchis à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ? On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial ? C'est du très beau travail. Bien joué, tu as été fantastique. La fête va bientôt commencer et nul doute que ce sacre est amplement mérité. Cela a pu paraître simple parfois, mais n'importe quel pilote vous le dira, à ce niveau, la compétition est acharnée. Voilà ce que tout le monde attendait, nous avons un nouveau champion du monde. Après cette victoire fulgurante, nous avons un nouveau champion du monde. Il a été exemplaire cette saison et il mérite amplement les applaudissements de la foule. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? Je sais que c'est une réponse un peu facile, mais la vérité c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton et un pilote qui a su en tirer parti. Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques et à élaborer des stratégies si on ne réussit pas à suivre le rythme. Le gagnant du jour nous a montré qu'il savait faire les deux. Alors Nicolas Martin, qui serait pour vous le pilote du jour ? Pour moi, c'est le capitaine. Ils ont géré les pneus à la perfection sans sacrifier la vitesse. Ce n'est certainement pas donné à tout le monde dans la Formule 1 moderne. Le championnat des constructeurs est plus ou moins plié à ce stade, mais jetons quand même un œil au classement. Et c'est encore une nette victoire de Mercedes qui réussit à s'emparer du titre des constructeurs. Une performance incroyable pour toute l'équipe. C'est une belle opération de la part de Racing Point ce week-end qui réussit à bousculer la hiérarchie. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat ? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Belle performance aujourd'hui. Je peux vous poser quelques questions ? Vous avez devancé de nombreux adversaires durant la course. La course ne s'est pas déroulée sans problème, n'est-ce pas ? Bien, ce sera tout, merci.